Allez, c'est parti pour un draw. My life. Mais en live. Ça peut commencer. Qui a commencé? Là, je préfère ça comme truc de couleur. Donc, là, si on montre un peu la France, la France est très moche. Extrêmement moche. Bon, si on montre un peu la France, je suis né dans le nord, c'est-à-dire là. Et on peut dire que c'est déjà la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie. C'était à un animateur qui, on peut dire, il m'avait un peu énervé en cantine. Donc, ouais, je ne sais pas comment vous faire, comment y était. Oups. Je ne sais pas comment vous montrer quand il était. En fait, je sais pas ce qui m'était pris dans la tête. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu pété un câble. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bonjour. Tiens. Donc. Il m'avait énervé. Donc, il faisait son beau. Je me prenais pour un chien, tu vois, pour faire rire tout le monde. Mais je mordais vraiment, tu vois. Et il avait fait son beau en disant « Comme t'es un chat, mords-moi. » Donc, moi, qui étais bourgeoise ouverte, il m'avait mis vénère. Hein, là. On peut en parler, j'étais vénère. Parce qu'il faisait trop son beau en plus. Il m'avait mis vénère. Et là, c'est le drame. Si on fait un peu la pause, je l'avais mordu. Et je pense qu'il devait essayer. Saigner un peu là. Saigner là. Bref, il devait saigner de partout, tu vois. Et voilà, après, je me suis fait. Après, ah oui, d'un coup, on a des trous comme ça dans mon école. D'accord, donc moi je suis Jules Ferry. Non, J.R. Voltaire. Et si vous êtes à J.R. Voltaire, vous pouvez voir que des fois il y a des petits trous comme ceci qui est dedans. Qui est par terre. Et moi et mon ami, avec tout ça, il y avait des trous là qu'on pouvait enlever. On les enlevait. On prenait des gros bouts de pierre. De pierre, pardon.
Et on les prenait. Et on les jetait. Donc là, moi j'étais là comme ça. Avec à côté mon ami. Ouais, parce qu'il est assez petit en fait. Et on jetait des gros trucs comme ça. Parce que là, c'est coupé avec un truc quoi. Et tout là, il y avait une barrière sur l'autre truc. Et en bas, il y avait la cour des petits. Et là, il y avait la barrière. Et ben nous, on jetait les pierres ici, parce que nous, on était à la cour des grands. Et du coup, les pierres, ils tombaient sur, bah, dans la cour où il y avait plein d'enfants. Et une petite fille qui a failli le prendre. Donc nous, on jetait trop de pierres, on savait rien. Et là, il y a, à la fin de la récré, on m'appelle, donc là, je sais plus c'est qui. C'était la directrice, elle m'appelle. Elle fait, ouais, t'as vu, ça fait la cour des petits et tout. Moi, qui étais un peu à thug, tu vois. Je me ferai une lunette de soleil. Le pire, c'est que j'ai vraiment des lunettes. Déjà, moi, qui est un peu à thug, hein, on peut dire, j'ai balancé mon ami, que lui aussi, il était dans tout ça. Hein. Ouais, il ressemble un peu à ça. Je suis assez gros d'homme. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et je l'ai balancé, il y a toujours la pierre dans ma main. Et je l'ai balancé. Et voilà, ça fait une pénurie. Après, là, c'était un meilleur. C'était un ami, un pote à moi. On est redevenu pote depuis. Je sais plus si j'avais ça. Bon, en tout cas, je fais avec sa nouvelle coupe, voilà. Il y a une sorte de mèche. Bon, je pense que ça ferait un conseil. Il y a une sorte de mèche. Il fait trop chaud avec. Et ben, un jour, il m'a donné, parce qu'on s'était énervé, un coup de poing dans mon nez. Donc, moi qui est un peu le leader de l'école, le lendemain, moi je vais avec mon pote. Et il y avait un peu bah, abonné. Comme ça. Ah, c'est abonné. C'est lui. Il y avait un peu abonné. Et là, mon pote, il jette ce bonnet. Donc, ça, c'est son bonnet. Mon pote, il l'avait jeté. Donc, là, l'autre, il vient devant moi et commence un peu à péter un câble. Donc moi j'étais déjà vénère, mais il n'y avait qu'à pas m'énerver, tu vois. Et lui pour reconnaître qu'il y a une mèche blonde. Et il commence un peu à péter un câble avec mon ami. Moi je prends mon poing et là. Et je vois ma maîtresse qui m'attend à la porte, parce que c'est une porte à vitre, qui fait ouais, pourquoi t'as fait ça? Donc, moral de l'histoire, ne jamais frapper quelqu'un entre deux, voilà. Et on va reprendre mon drama et la que je voulais raconter. What? Ok.